Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, c'est pour ma chance, mais vous pouvez informer qui ne peut commencer dans une dizaine de minutes pour nos dernières sessions, Roundtable, qui pour lire par Marita Agathe. Et bien sûr, avec tout le monde. Et nous prenons un panel pour se retrouver. Et dans 10 minutes, nous attendons que les autres regagnent la salle de soir. Merci.
Bon après-midi tout le monde. Donc bienvenue dans la dernière session par rapport aux assises. Donc cette session-là, c'est une roundtable discussion, une interaction, qui est bien un recap par rapport à toute la session, tout le atelier de travail que nous avons derniers jours. Donc moi c'est Marie Taga, pour modérateur pour le roundtable. Et là, comme si, avant juste qu'il nous commence avec le panel discussion, je vais inviter le docteur Madou pour venir faire une présentation par rapport à toutes les grandes recommandations sectorielles par rapport à quatre technical groups là, qui nous ont discuté, qui nous ont analysé depuis hier. Donc, docteur Madou. Merci, Mme Aga. Durant les 10 prochaines minutes, mon frère Ricard, ce qui n'est arrivé, ça arrive de là, et que ce qu'il me proposait pour faire dans l'immédiat, je pense que c'est très important. Donc, comment as-tu connu quand tu commences la session, le 27, mais je fais un soin d'analyse. Comme je fais un soin d'analyse, là, je vois comme c'est bon, monsieur, tu fais un tir et mort, comme quoi. Maintenant, c'est traffic weaknesses, tout parle bon. Donc, avec ce clé, nous récit trouvons le plus problématique à Rodrigue. Parmi d'autres, nous trouvons qu'il y a une affaire qui s'est sortie là-dedans très importante, qui est toute bonne connaissance qui est dans le territoire Rodrigue, tout bon travail qui peut faire, tout bon rapport qui peut sortir, pas nécessairement partagé avec la communauté ici, qui quitte le pays, y aller, nous-mêmes, nous voyons qu'il est arrivé. Donc, nous identifions ça comme un gros problème. Et que si, comme c'est avancé, que ce Green Destination, qui paraît un grand potentiel pour Rodrigue, nous pensons qu'il est très important de mettre là-bas, parce qu'il y a une ambitieuse pour faire là-bas. Donc, les quatre thématiques qui nous discutaient pendant les deux derniers jours, c'est l'économie bleue, l'économie verte, health and wellness, and tourism. Et aussi ce chemin Grassroots Innovation. Dans Blue Innovation, Just a Recap, c'est dans sept priorités que le comité a discuté, qui est listée ici. À partir de cette priorité-là, nous avons une longue liste de projets, à peu près une trentaine de projets, mais il y a un dégradant que nous trouvons qui a beaucoup d'intérêt. Parmi les centres de recherche et d'innovation, un survey au Bannister Poisson qui est dans la Ragon, un invasive species qui a un negative impact pour la mer. Nous avons aussi trouvé au niveau de l'éducation, nous avons introduit la marine science, surtout ce qui est important dans votre vie, training, capacity building, storage of seafood, qui est un problème. Et que bon, il y a un autre liste, on ne va pas long à l'islam, mais One Star Project. Ce qui nous a trouvé, ce qui le modérateur a trouvé, qui nous a implémenté tout de suite, qui est un game changer, qui est vraiment sans appel, ce qui peut arriver, qui nous va venir le plus. Et là, le Marine Academy and Research Center qui est dans Vision Rodrigue. Et que nous pensons qu'il est très important. Qui l'a MRIC, qui était comment vous travaillez avec l'Assemblée régionale pour mettre sa santé à Tibet. Nous aussi, que c'est un institut pour research à Rodrigue. Nous avons été comment vous travaillez ensemble pour nous mettre en place l'institut là. Et que aquaculture, qui est tout le monde avec eux, mais bien un des études qu'on fait. Donc pour nous, à part dans les autres projets, mais dans l'immédiat, nous pensons que c'est ça quatre. Projet-là qui peut être examiné demain. Donc, dans Green Innovation, nous tenons sécurité alimentaire, agro-processing, l'énergie renouvelable, changement climatique. Là aussi, nous trouvons un nouveau projet avec l'aide par les participants. Donc, nous avons Preservation of Seeds, donc un seed bank pour semences, résilience pour changement climatique, le fruit à pain. Pour faire flower, une nouvelle technologie, un système d'irrigation,
Oui, Renergy, un calendrier agricole pour Rodrigue. Et que ce projet, une priorité des priorités, c'est vraiment une pensée dans la filière haricots rouges, piment, limon, café. Un produit très unique à Rodrigue, que nous avons de vol validé, c'est-à-dire depuis cultivation, certification, market research, Norman Standard. Pour nous, c'est peut-être le projet le plus important qui nous trouvait, qui est aussi dans une direction qui a envie de jet speech. Et nous aussi, pour des microcétiques, des plantes à Rodrigue, on apprend qu'il débit et qu'il reste Rodrigue, donc sous la correction des journalistes rapidement, qui peut envie valoriser sa un plan et aussi un produit microcétique. Mais je pars de mes mots préalis et que mon récit peut-être qu'il travaille pour le début pour aider comment avoir le début de sa sécurité. Dans le secteur santé, tourisme, il y a 9 priorités, disciplines, les grands secteurs qui nous délarrent pendant les assises, parce qu'ils nous invitent tout ce qui appelle la santé, mais aussi tout ce qui appelle tourisme. Et c'est une ressortie depuis une discussion qui nous a eu sur la traditionnelle médecine, qui capable sans anglais ce qu'ils avaient fait déjà dans un CPLA, donc une traditionnelle médecine, identification, plantation et value additional local plants. Et que nous avons aussi un CDIS. Une bonne affaire qui se cause beaucoup, c'est e-health. Donc, comment se connaît à Rodrigue, qui se finit un paiement e-health, ne pas au Féli dans Maurice, donc au Péin, qui est au Féli. Et peut-être si maintenant, pour considérer la télémédecine, il est beaucoup plus facile de stérile ici, qui est stérile à Maurice. Donc, peut-être l'implémentation de télémédecine, c'est une chose qu'il n'est capable de faire. Qui peut aussi utiliser la Rodrigue parce qu'ils sont dans la clinique ici. Quand ils sont malades, soit aller à l'hôpital, qu'ils prennent un service bien limité, ou ils prennent un avion à Maurice et que tout le monde est dans la clinique. Donc, nous pensons que la télémédecine, c'est un affaire qui nous vient à qui se commence à guider dans le temps. Donc, un projet dans. Ce qui nous a fait tout de suite, c'est traditional medicine plants, eco-tourism, qui retouche Green Destination, qui commissaire à vous poser. Sports for tourists, qui fait parce qu'il n'y a plus que sport tourism. Mais encore une fois, on pensait que c'est un secteur que Rodrigue en avance. Laure Maurice, ici, il y a un cadre surf, qui se fait au niveau international en Maroc. Il y a un trail et qui peut-être non utilisé à prendre avec eux, mais aussi une cause de trois sportifs pour l'île et dans le vélo qui peut venir très bientôt. Et que, bon, écotourism, green destination, ils mangent ensemble, une feasibility study, car une capacité pendant sa saison que nous avons pratiqué là. Est-ce qu'ils ont capable d'accommoder tout le point touristique venu pendant 4 semaines, tout le terrain rempli, peine en place, peut-être par une capacité à les servir au là, vraiment important, et quel calendrier, comme on parle de sa différentes activités qu'ils ont pu penser capable de faire. Social and grassroots, l'éducation, social et plus jeune, culture and history. Social entrepreneurship, c'est ce qui nous discutait grand matin. Et que plusieurs idées encore, il est sorti depuis ma discussion, donc Career Oriented Education System, pour préparer un jeune pour le marché du travail. Mais aussi apprendre qu'il a eu le success rate CPE à Rodrigue, qui est vraiment inquiétant. Et peut-être qu'il demande une certaine étude pour comprendre qui fait sa main enfant n'a pas pu faire aussi bien qu'ils ont pas pu faire. Peut-être c'est l'environnement à l'école, il disait Chris Joseph, donc il a assessment of the school environment. C'est
sexual education, parce qu'il y a un gros problème de teenage pregnancy. Pour moi, c'est problématique qui nous plus discuter dans ma tête. Tout le monde a un problème avec ça. Et moi, personnellement, je vois qu'il y a un problème là depuis 10 ans et n'en ai pas refaire. Donc, une vilaine urgence, c'est que mon pensée, il y a des affaires qui nous aident partout dans le temps. Donc, comme on dit, ça fait un petit salarié ici, teenage pregnancy, social entrepreneurship, comme Madame Grandcourt. Et aussi, nous connaissons, nous, au niveau du bureau, nous trouvons banque coopérative qui peut former, mais après, il fait. Nous va connaître la banque coopérative là, tu ne vas pas faire un travail ensemble, ou il y a un problème de régulation. Nous ne connaissons pas le problème là, mais bien connaissons le problème là. Donc, si tu t'envises, développe ce genre d'entrepreneurship, il demande un CELI, le banque coopérative, qui fait la paix fonctionner dans votre vie. Et quand il s'est appelé une médiane, une autre qui me voit de quelques visites posées, quand on fait le choix des projets, souvent un projet social, il parle de sa importance-là, parce que c'est pas science, nous pensons, c'est pas innovation, et puis tu sais, vous gagnez funding, peut-être c'est un mindset qui vise un sensé, ou vise un budget avec les têtes spécialement pour votre social project, mais pas connu comment vous rendre ça, vous nous avez rendu. Now, one cross-cutting recommendation, ça c'était pas secteur, mais pas que Zola, parce que c'est un domaine panel qui peut que Zola, mais qui va un grand problème qui tout le monde peut gagner. Un, c'est bien un secteur privé ici. Le secteur privé pas investi dans R&D. Comment pour faire ça? Encore un peu, nous pensions que durant cette réflexion, que nous espérions parler là pour guider nous là. Fonds de recherche, nous au niveau de la MRIC, nous trouvons qu'il y a beaucoup de monde, mais nous ne sommes pas capables de tout fonds. Nous avons une partie du projet, mais est-ce qu'il n'y a pas l'air pour dans le budget RRI, mais dans le budget pour R&D? Beaucoup de fois, nous faisons une proposition là, mais ce qu'il y a, nous n'avons pas l'envie. Mais nous pensions, si il y avait une recommandation dans ce rapport-là, peut-être nous allons tout ça plus là. Maintenant, nous avons fait une scheme et dans le ministre qui vient faire votre research and innovation grant scheme, qui a mis un changement dans le in the picture ici. Mais nous pensons qu'ils appliquent beaucoup de scheme. Nous avons scheme pour commercialiser research and innovation dans Rodrigue, peut-être un scheme à Maurice, pas vraiment approprié. Et nous demandons de faire un brevet d'un incubateur, un start-up à Rodrigue. Et nous avons fait pas nous mettre ici, mais nous connaissons des gens qui vivent beaucoup de temps. Et nous avons un étudiant qui peut faire cette étude à Maurice. J'ai fait cette dissertation à Maurice. Quand je suis venu à Rodrigue, je n'ai pas préparé à un problème qui peut arriver dans Rodrigue. Je suis venu dans cette expertise-là. Peut-être qu'il y a même une scheme pour encourager un étudiant rodriguais à venir faire ce projet à Rodrigue. Du même que vous avez fait des affaires qui sont useful pour Rodrigue. Et deuxièmement, vous êtes mieux préparé quand vous avez retourné à Rodrigue, vous êtes capable d'adresser certains problèmes. Ça, c'est une chose qui nous est proposée beaucoup l'année de cela. Et peut-être nous avons reprendre ici. Un researcher peut lancer un training pour écrire un proposal par le crowdfunding. Ici, peut-être AVD ici. Mais comme il finit que ce financial support pour l'étudiant, IPI, beaucoup vont le retraiter, peut innover, mais ce n'est pas uniquement pour protéger cette innovation. Ce n'est pas besoin de sensibilisation, un scheme, mais encore, il y a une réflexion. Et aussi, le grant-making process, c'est-à-dire comment on peut créer un proposal quand on a besoin d'argent. Mais ce qui aussi, pour que je vous dise à nous, par une scheme qui est là en russe, il demande, je vous ai écrit en anglais, et par un gros document comme ça, et qui signe là beaucoup grassroots innovation, par un entrepreneur qui peut faire un petit affaire, qui peut-être même pas capable d'écrire bien comme on disait, peut-être que ça simplifie par une scheme, pour que ça va être aussi capable d'avoir une occasion de tester cette idée. Par une scheme beaucoup plus appropriée pour un grassroots innovateur.
Maintenant, ce qu'il faut faire, la marche à suivre, par des groupes, nous décider qui va être qui short, médium, long terme. Donc, le short terme, nous finissons proposer à travers One Star Project, mais à être débattu. Et aussi, nous faisons un rapport qui parle de Maurice. Mais avant qu'il rapporte là, Maurice n'est plus là pendant quelques jours. M'espérer vers lundi, mardi, en tout cas, mardi, nous besoin de moi pour Internet. Mais on a envie d'une connexion qui nous peut m'aider à rapporter là avant moi, à Maurice, pour qui nous tuerons en même longueur de monde. Donc, c'est un petit peu ça. Merci. Donc, merci beaucoup, docteur Madou. Donc maintenant, on peut inviter tous les membres du panel pour cet après-midi, si c'est le cas de l'assister. Et non, le docteur Souko, chairperson du MRIC, le professeur Barbaron, directeur exécutif de la MRIC, monsieur Genave, departmental head de la Commission de l'agriculture, fisheries et forêts, Dr. Annick Tobies, manager de la RCEA, et aussi il y a M. Jérôme Félicité, assistant manager à la Commission de l'agriculture, et aussi il y a le docteur Ragobor Vicky, qui est le Health Director pour Rodrigue. Donc, bienvenue aux membres du panel. Donc, je peux trouver dans deux micros, donc à l'époque, quel moment je peux intervenir. Donc, juste pour commencer, peut-être que vous rebondir par rapport à Bancroft Studying Recommendations. Donc, au fait, énormément, comment le docteur a dû te ressentir, énormément de affaires qui comme si construit par rapport à différents secteurs. Et énormément de affaires, c'est par rapport à research, comme si un institut de recherche. Hier, dans la session Green Economy, aussi Blue Economy, un participant dit qu'il y a une nécessité qui gagne un research institute pour Rodrigue. Maintenant, la question, c'est qui est-ce qui les productifs, le fait qu'il y a déjà une ressource qui est très limitée par rapport à la recherche, est-ce qu'il n'est pas coproductif pour chaque secteur pour gagner un institut de recherche? Donc, quelle est la structure à mettre en place? Parce qu'aujourd'hui, le thème pour le rendez-vous, c'est Enabling Innovation. Donc, comment promouvoir, quelle est la structure de recherche qui nous aide à mettre en place pour pouvoir justement promouvoir tout ce qui est l'innovation pour Rodrigue? Donc, est-ce qu'il nous faut vraiment un doublon ou bien est-ce que c'est le MIRC qui vous chaperonne la recherche ou bien pour une autre, bon, même à Maurice et dans le Mauritius, le Mauritius Sugar Research Institute, donc il y a un petit institut de recherche à Maurice, mais quelle est la structure justement pour Enabling Innovation? S'il vous plaît, vous pouvez répondre sur cette question-là. Une question très pertinente, d'ailleurs, lors des discussions, nous l'avons donné plusieurs fois. Est-ce qu'il nous faut bien une structure telle que un Research Institute? Comme on nous connaît à Rodrigue, nous avons différents secteurs, nous avons différentes spécificités. Nous avons également un certain nombre de compétences qui peuvent développer. Nous avons également une structure qui peut mettre en place. Moi, on pensait maintenant qu'il est timely maintenant, qu'au niveau du RA, je pense un petit peu comment nous allons mettre en place un research institute, comment vous dire, ou bien n'importe comment on ne va pas dire, mais une structure qui pour chapeaute la recherche, le développement et l'innovation dans tous secteurs. Pas forcément nous allons gagner dans chaque secteur un institut. Nous sommes capables d'avoir un institut avec diverses compétences que nous sommes capables de regrouper. Tout le monde de bonne volonté, tout le monde dans différentes commissions également du point de vue administratif, mais surtout les chercheurs en herbe, les chercheurs qui ont déjà une compétence, qui comprennent le système un petit peu,
mettre ensemble parce qu'il est là, il forme la base du développement de la recherche et de l'innovation à Rodrigue. Nous bisons à mettre en place. Parce que si nous ne pouvons pas mettre en place quelque chose maintenant, jamais nous mettons en place. Tout le temps, nous pouvons dépanner l'homme Maurice. Et l'homme Maurice, chaque fois, nous pouvons venir pour faire l'assise. Non. Là, ce qu'il nous fait, c'est une première pour Rodrigue. Vous pensez, du point de vue recherche et innovation, Rodrigue, maintenant, Bizet est un coup de comment nous faire pour capable de nous autres petit à petit, mais tout en nous avons l'aide du MRA ici tout le temps là, nous avons nos bureaux, nous pouvons aider tout le temps pour développer son institut ou sa bureau, whatever we call it. Mais nous visons quelque chose de tangible pour démarrer et après nous développer. Parce que dans tout un pays, nous tenons une structure pareille, petite. Après, je suis grand et capable de sustainer pour nous. Merci. Alors, bon après-midi à vous tous. D'abord, je voudrais remercier Dr Madou, qui est très fidèle pour synthétiser un petit peu le mal des libérations d'hier. Et je remercie la présence du Dr Soukran parmi nous, le président du MRA ici, et en même temps le directeur exécutif. Également, en passant, c'est LTDN, nouveau professeur à l'université. Alors, mon point aussi, je voudrais d'abord remercier et féliciter le professeur et Bawan, sorry, parce que, au fait, l'idée de la mise en place d'un Rodrigues Institute for Research, tu commences à discuter ça hier matin, quand tu fais et faire la session sur le Blue Economy. Et ça, c'est en fonction de mon expérience, parce que moi, personnellement, je fais un petit peu les cours dans différentes commissions. Là, comme on constate d'abord, il y a une fragmentation au niveau de la recherche à Rodrigue. Chaque petit groupe, chaque petite organisation peut faire sa recherche dans ce côté. Il y a l'ensemble, il y a une synergie. Ça, c'est le premier niveau. D'où la nécessité déjà d'une meilleure coordination, une meilleure synergie pour que la recherche vraiment y impacte positivement dans la démarche du développement social et économique de Rodrigue. Ça, c'est un premier point que je voudrais faire ressortir. Et un deuxième point qui, au cours d'une expérience dans différentes commissions, qui nous constatait, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui viennent, qui demandent autorisation pour faire recherche dans différents secteurs. Et puis quand la recherche finit, nous ne connaissons pas rien. Comment ça peut bénéficier de Rodrigue? Nous ne connaissons pas. La personne qui vient, l'étudiant ou là où le scientiste vient, il fait sa recherche, il gagne sa maîtrise, sa PhD, il fait sa bonne présentation, il fait sa bonne publication. Mais est-ce que nous gagnons au moins le rapport du projet, de ce findings, qui peut permettre nous de prendre une décision qui est basée sur des données scientifiques, une décision solide, qui favorise le développement de Rodrigue. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ont une mais très rarement. Dans mon cas, vous ne pouvez pas gagner, mais qui a un moyen qui est un moyen légal, pour imposer une certaine obligation sur la personne pour donner-nous un rapport à base de conditions qui puissent suivre pendant le cours de son exercice d'études à Rodrigue. Alors, là, on vient d'un deuxième niveau qui a besoin de contrôle. Il a besoin de contrôle qui nous a besoin de mettre en place. Donc, nous aussi appris le professeur Bawan pour dire qu'il oui, maintenant, avec le MRA ici, qui vient mettre en place son bureau à Rodrigue depuis quelques années de cela, dont j'en suis témoin, la recherche peut prendre une grande ampleur, avec beaucoup d'étudiants qui demandent pour faire la recherche à Rodrigue, les organisations internes et externes ont besoin de mettre en place un mécanisme de coordination, un mécanisme de contrôle et un mécanisme qui gère tout ça. Alors, maintenant, comment vous faire?
Là, nous disons que un petit peu dans les détails, parce que nous disons que la loi cadre de l'Assemblée régionale de Rodrigue, est-ce que la question de recherche et innovation ils font partie du pouvoir de l'Assemblée régionale, nous pouvons inquiéter, s'il n'est pas comme partie, peut-être avec l'aide du gouvernement ici et le ministère, nous pouvons dire que dans la loi cadre existant, peut-être au niveau du ministère, ou bien faire un amendement de la loi en l'arrêt, pour faire les rentes dans section 26, comme on dit bien hier, et là, l'Assemblée régionale est capable de venir avec un règlement. Ou si ce n'est pas possible, à ce moment-là, le ministère nous compte la bonne collaboration du MRIC et le ministère de la Recherche et de l'Innovation pour faire une provision légale nécessaire au niveau du MMA pour permettre à l'Assemblée régionale de Rodrigue de faire un règlement pour mettre en place cette institution. Donc, pour moi, c'est une grande nécessité. Merci. Donc, pour moi, disons, hein, je pense en termes, comment nous commençons la recherche au niveau de Rodrigue. Disons, elle va faire peut-être assez, je ne sais pas si c'est assez simple, mais d'abord, commence par instituer pour les ressources humaines, par exemple. Donc, nous prenons l'exemple, disons, aussi, comment nous pouvons procéder, c'est que nous gagnons de l'argent, nous avons un MRI ici, mais qui nous permet de recruter par les assistants parce que nous travaillons dans une structure qui existe, avec le staff qui existe, nous prenons les temps pour faire la recherche. Donc, on donne la possibilité de recruter un personnel, que ce soit temporaire, pour faire la recherche. Et il est possible, peut-être, si dans chaque département, on commence comme ça, que tu peux mettre par une unité justement de recherche pour commencer, surtout tout ce travail de terrain qu'il y a dans les recherches. Ça, c'est un. Et puis, en termes même, cette question, comme il y a un étranger qui vient à Rodrigue, qui fait une étude. Par exemple, en tant qu'étudiant qui nous devons faire une thèse, nous devons faire pareil, que nous rentrons dans une institution quelconque, nous pouvons nous donner, nous gagner, nous lever, nous servir, contribuer quelque chose en retour. Mais disons, une façon que nous sommes capables de faire avec les étudiants, justement, contribuer au développement de Rodrigue, c'est que nous, en tant qu'institution, nous rentrons en contact avec l'université et que si jamais, par exemple, nous avons besoin de research assistant, que nous payons de l'argent, on va proposer un étudiant qui a besoin d'une thèse, lui qui connaît ce mandat pour moi. Qui va servir au mandat pour répondre à ces questions, mais en même temps, quand il aide nous faire le travail qu'il y a à faire, c'est-à-dire avec sa collaboration, disons, que nous avons plein de, comment vous appelez ça, de labeur qui est gratuit d'une certaine façon, mais qui aide et nous, et lui aide les étudiants aussi. Et bien, ça tire des ressources, hein, parce que. Dans le social, par exemple, le gain, par exemple, le travail qui nous fait jusqu'à le gain, c'est quand même assez, il prend les temps. Donc, c'est une façon qui peut-être va commencer comme le professeur me disait, le docteur me disait, c'est que nous commençons petit, nous mettons chaque département peut-être une petite unité de recherche, nous donne le budget pour, et puis à partir de là, on essaie de faire les petits. Donc, moi, ce que je veux dire au niveau de recherche, c'est que il y a une priorité dans nos sociétés maintenant, parce que, comme ce matin, Mme Bizet, il y a aujourd'hui avec possibilité de gagner pour l'internet, pour lire beaucoup de choses, finalement, je gagne beaucoup d'expérience. Hein. Malheureusement, ce que je trouvais aujourd'hui, c'est un manque de données pour supporter une bonne décision. Donc, une recherche, il y a plus d'un pour autant. Pour qu'il nous capable de donner les bases pour nous capable de construire. Je vais dire parce que, pour prendre l'exemple même, en 2002, moi, j'ai une responsabilité pour une unité de recherche au niveau de l'agriculture. Et moi, j'ai commencé à travailler là-dedans pendant 5 ans, j'ai fait Ali. Et là-dedans, c'est que j'ai réussi à faire au niveau de la recherche, une récession, par exemple, le petit rubrique qui peut disparaître complètement. Une récession sur le type de Rodrigue, et aussi dans la veille de Rodrigue, l'agriculture, qui aussi, qui finit prendre la porte de sortie, on avait croisé avec les autres espèces, et nous réussirons à ramener. Donc, quand nous causons recherche aujourd'hui, nous causons recherche stratégique. Ce n'est pas recherche pour faire un thésard ou un doctorant, mais c'est une recherche qui est appliquée pour résoudre un problème de société rodriguaise. Oui, il y a une unité de recherche, mais une recherche vraiment stratégique. Il y a tout le monde problème
qui nous aident et puis de faire une recherche pour trouver une solution à ça. Il faudrait que la recherche lui apporte quelque chose à la société parce que la recherche, il demande fort. Il demande l'appareil pour faire une certaine analyse. Est-ce qu'il ne peut pas investir un gros budget là-dedans, mais en retour, il y a un petit résultat qui est médiocre, qui n'est pas répondre à l'attente qui est dans ça. Donc, la recherche, l'important, que ce soit la recherche sociale, que ce soit la recherche scientifique, même médical à Rodrigue, on pensait, même au niveau médical aussi, vous avez commencé par l'étude qui poussait, par exemple, dans la génétique du Rodrigue. Vous avez réussi à analyser la génétique du Rodrigue, il y a une BD, côte sur point fort, côte sur point faible. Parce qu'avec cette maladie qu'on peut trouver là, par exemple, la COVID-19, des mortels dans beaucoup de pays, mais Rodrigue, très peu mortels. Est-ce qu'il y a une question de la constitution ou une question de la maladie qui est affectée? Et tout cela nous inquiète dans nos relations parce qu'il est important que demain, comme il y a une société qu'il faut. Et la recherche aussi, il est important pour nous connaître l'histoire aussi. Parce que nous tous, nous connaissons Rodrigue, nous disons que nous connaissons Rodrigue, mais très peu nous connaissons même l'histoire de Rodrigue. Peut-être que nous avons fait une recherche côté archéologique, côté. Développement de la forêt, développement de nos nations même. Parce que nous tous, apparemment, nous sortons d'un certain endroit, tout ça là, bien pour autant. Et la recherche aussi, nous sommes au niveau Rodrigue, c'est un pays entouré de la mer, et nous vivons de l'agriculture. Ce qu'on dit, nous prenons un livre qui nous aide, qui va le poisson qui est dans la mer Rodrigue, qui va les arbres qui est dans l'eau Rodrigue. Ces enfants-là, depuis qu'ils rentrent dans l'école, si vous avez fini de connaître, sa poisson-là, tel poisson. Sa pied-là, fait tel affaire. Il y a un demi-niveau dedans. Donc, moi, je pense que la recherche est très, très importante pour la survie d'une société. Est-ce que la recherche a compris tout à fait d'accord, 100%. Mais il ne fallait pas qu'il entende, qu'il nous aide dans cette recherche. Alors, vraiment, quoi qu'il nous encourage, tout va nous entourer, tout va nous engager dans la recherche, pour nous expliquer, il n'y a pas besoin d'un grand laboratoire même pour faire l'innovation. Nous sommes capables de le faire. Alors, vraiment, penser, nos présences ici, c'est pour inspirer les gens qui sont capables de le faire. Ça, c'est une chose. Et déjà, pour mettre un institut de recherche, vous pensez que les autorités sont là, déjà pour gagner de l'eau de la cause, c'est un grave déclenche tout la mélange. Un institut pareil se présente ici pour assurer la rigueur qui vient de la recherche, pour qu'il y ait un résultat qui est correct. Et en même temps, qu'il va bâtir un chercheur étranger qui a envie de venir passer un certain moment ici, parce que Rodrigue, comme on le dit, c'est un laboratoire naturel. Capable là. Et quand je finis, c'est en même temps même financement. Et c'est en même temps pour gagner support de la chercheurs. Alors, vous pensez que c'est un système qui est capable de faire avec la situation. Ok. Merci. Sinon, une autre question qu'on ne peut que si nous passions. Bien sûr, il y a beaucoup d'idées qui nous sont utiles par rapport à sa carte comme si thématique pour moi. Mais l'innovation est capable de low-tech, est capable de high-tech. Et souvent, quand nous pensons innovation, nous pensons que comme si nous pensons high-tech. Et normalement, ça fait qui est très simple, qui nous capable de faire. Donc, justement, si on dit comme si, peut-être, parce que aussi par rapport à chaque modérateur, par rapport à ce différent thématique, groupe thématique qui nous couvre, moi, j'ai envie comme si qu'il nous guette un peu comme si par un projet, qui nous proposait comme Bastor Project. Et dans la pratique, parce que là, vraiment, nous pouvons taper le roadmap, comme si, parce que moi, rappelle, qui dort, même dans la thématique groupe, c'est que tu fais ressortir, c'est que tu dis qui trop souvent on est causé, mais l'innovation, c'est quelque chose de très tangible, c'est quelque chose de très pratique. Et quand nous avons un master project qui nous proposait, donc, qui se pensait par rapport à cette implémentation? Est-ce que c'est un projet qui peut demander un gros budget? Est-ce que c'est un projet qui, comme si nous avons commencé à implémenter, comment
quelqu'un qui vient de sortir, qui nous parle, c'est attendre un institut de recherche, le travail qui a commencé dès demain, et dans l'action qui a commencé propre à tous les niveaux pour permettre l'innovation. Donc, si ce qui est en termes de one-stop project, en termes de ce, comme si c'est l'implémentation, qui se dénote comme si à dire, quelle est cette analyse par rapport à ça? Si on a commencé, comme cause d'innovation, il faudrait bien nous mettre ça dans la tête qu'il n'y a pas quelque chose de compliqué. C'est un besoin, oui, mais tout le monde est capable d'innover. Ce petit tease qui a ce plus grand. Nous trouvons dans Maurice à travers National Innovation Challenge. Nous trouvons tous les jours ici dans Rodrigue, ou dans Bazar, Rodrigue, pour Maturin, où tout ce sont des produits agro-industrie, nouveaux types, qui permettent sur le marché. C'est ça un petit peu l'innovation. Donc, tout ça dans le secteur, là, que ce soit dans Blue Economy, Green Economy, Social Innovation, Health and Wellness, vous pensez, nous avons la base pour commencer petit à petit, et ensuite, nous pensons High-Tech Innovation après. Mais déjà là, vous pensez qu'il y a beaucoup pour faire, et il y a beaucoup d'idées qui sont là, pour dire, beaucoup d'idées de ce temps, qui sont capables de développer, et on appelle l'innovation. Et ça, il faut un encouragement qui peut permettre aux autres de monter l'échelle de la technologie et avec High-Tech Innovation. Vous ne pouvez pas dire jour en le demain, faire une grande affaire. Nous ne pouvons pas. Nous devons start simple, simple, pratique et essayer de valoriser comment vous donner une valeur commerciale à ça pour qu'ils développent. Entrepreneurship et faire Dimon Rodriguez développer le pays. Et c'est ça l'innovation. C'est ça qui peut amener le développement économique et social du pays. C'est vrai, bizarre fond pour faire la recherche. Oh, et bizarre bouge dans cette direction-là. Bizarre était aussi parce que sans la recherche et l'innovation, un pays difficilement développé. Donc, vous pensez qu'ils ont pu mettre ça dans le gène maintenant. La recherche et l'innovation font partie du patrimoine pour le développement économique et social. Même petit à petit, un MRIC qui a depuis 11 ans nous a aidé, mais nous encore pour aider, comme on nous dit tout à l'heure, c'est l'institut là, l'idée de lui, petit à petit, tu avais une dérive, mais vous trouvez partout, et là, ça l'élan de l'innovation là. Donc, aide-nous, aide Ban Rodriguez pour bouger. Merci, professeur Barouane. Aussi, nous avons des causes d'innovation par rapport à ce qu'il peut faire au niveau de la commission et de l'agriculture et de la pêche. Et donc, pour plus, focaliser plus sur la pêche. Et donc, quant aux contributions de mon collègue, je vais rester plus sur l'agriculture. Alors, comment pourrait-on dire que la cause d'innovation n'est pas juste une affaire technologique, grand équipement. Il peut aussi dire ça, et ça c'est après. Que nous, quand la cause d'innovation au sein de la commission, c'est d'abord un changement de mindset, un changement d'approche, d'esprit. Donc, un exemple qui nous faut citer là. Quand nous trouvons un modèle de gestion de fisheries papier marché, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il nous continue de taper de la tête, casse de la tête, et en attendant nos ressources dégradées? Ou bien nous assiser, nous évaluer, nous guetter qui nous est, quel est le problème qui fait que nous sommes capables d'avancer, quelles sont les options, les formules, et nous prendre une décision? Et c'est ce qu'il nous fait faire. C'est pourquoi que, au niveau de la commission, avec la bénédiction du conseil exécutif, le film revoit la manière de gestion du secteur de la pêche. Et à travers le service, le film réarrange un peu la structure. C'est pourquoi qu'il récemment, peut-être, nous trouvons sur Facebook, tout ça, nous avons pas mal de coups de roche. Et ça fait nous du mal, mais nous pouvons persister. Pour qu'il fasse, parce que nous n'avons pas qu'à laisser le modèle qui n'a pas fait marcher continuer.
et en même temps le pays a prouvé une ressource, le besoin de sens moderne. Donc pour moi, ça c'est un exemple d'innovation. Et dans sa démarche qu'il commence à mettre en place, le FNP réorganise le département de la pêche, M. Perrine qui est là devant moi, avec ce qui nous est là. Nous avons une section de services de protection qui enforce la loi, ça veut continuer vers lui. Nous tenons une section de FATIVU qui nous est convertie pour Vinen Marine Academy and Research Center. Il faut beaucoup plus large. Oui, nous visons beaucoup de staff. Mais nous commençons avec ce qui nous est là. Et pour l'instant, nous avons 3 officiers. Nous avons 20 scientifiques officiers. Nous avons 2 technical officers avec les autres 25 ordinateurs de staff. Dans le budget, nous avons un poste qui nous finit créer Head of Fisheries. Nous avons le Fisheries Protection Officers. Nous servons ça pour changer de modèle. Maintenant, pour venir à la question de Star Project, le Marine Academy and Research Center, c'est vrai qu'il y a un projet bien ambitieux, parce que nous visons la formation, toute la question des métiers qui concernent Blue Economy, pas seulement pêcheurs, mais aussi sur les bateaux, etc. etc. Nous visons une meilleure gestion de nos ressources côtières et au lagon, et aussi un meilleur développement du secteur de la pêche au lagon. Alors, comment nous pouvons faire ça? L'Assemblée régionale a déjà fait une provision budgétaire pour ça. Nous pouvons d'abord développer les infrastructures qui nous sont en place à Pointe-Mouguin. Nous faisons identifier ex-blocage. Nous avons pour faire une petite procédure avec le Mauritius Port Authority pour confirmer notre agrément pour nous utiliser ce bâtiment-là qui nous est en réalité. Nous avons toute la question équipement et technique, mais avant tout, nous avons un laboratoire, pas un laboratoire de 5 étoiles, mais au moins un laboratoire qui est capable de nous faire une analyse de base. Si nous avons fait un test physico-chimique de l'eau dans l'avant, ou bien les autres tests au niveau biologique, un wet lab qui vous aime, c'est dans les affaires qui est élémentaire, qui m'ont pensé, il y a achievable avec la bonne volonté de tout un chacun. Vous pensez, Madame la Présidente, qui est très faisable, même within the forthcoming month qui vous venez. Parce que déjà, nous payons en termes de procédure pour lancer un contrat avec la provision budgétaire qui nous est pour réhabiliter le bâtiment. Après, pour question laboratoire, les équipements, tout ça, on peut bien assiser, faire une analyse, le setup, comment vous avez été. Et là, nous comptons la collaboration vraiment là ici, qui va une spécification des équipements et qui va un programme de formation qui nous pouvons mettre en place. Et comment on peut accréditer sa formation-là pour qui ça dit qu'il sortit dans sa formation, dans sa centre-là, ça un certificat qui nous peut gagner. Reconnu par tous. Merci. Donc, moi, je vous pose un petit peu côté par rapport à la santé. Donc, c'est vrai qu'il y a comme cause de recherche, innovation, donc il fait cause de tech et high tech. Donc, pour moi, personnellement, au niveau de la santé, donc, c'est vrai qu'il y a comme cause d'innovation, on pense souvent au niveau high tech. Mais en termes de la santé, il y a plein de choses qu'on peut faire qui vraiment des trucs bien, bien simples. Qui lui apporte une qualité de santé supérieure pour une personne. Donc, nous n'avons pas forcément besoin qu'il nous ait un MRI, un nouveau hôpital pour nous dire de faire l'innovation, mais seulement en faisant des petits trucs qui pour nous penser des banales, mais c'est quand même une innovation. Par exemple, si juste tout simplement ou faire nous un appareil là qui nous permet faire certains tests. Mais que l'appareil-là est capable de faire les autres fonctions, faire les autres tests aussi. Il suffit juste sans être cassette pour faire les autres tests. Mais ça aussi, c'est une innovation. Donc, c'est-à-dire qu'il là, il permet de nous faire un nouveau test supplémentaire dans le laboratoire avec même l'appareil. Donc, c'est une innovation, nous trouvons anodin parce qu'il est déjà là et du coup, on se dit que nous design allons. Donc, il y a beaucoup de petites choses comme ça qu'on peut faire. Qui vraiment pour améliorer la qualité de santé des patients.
Donc, qui nous, des fois, nous pensons qu'il est anodin, mais quand même, ça, c'est, pour les patients, c'est très important. Après, venant au niveau high-tech, c'est vrai qu'il y en a beaucoup de choses qui nous inspirent, nous envient là, nous envient faire. Il est important pour nous garder quand même assez autonome sur le plan de la santé. Donc, comment je propose MRI, Modern Hospital, e-health, télémédecine, tout ça, c'est des projets très inspirants. Mais je pense qu'en temps et lieu, oui, on a besoin de tout ça. Et les bizarres minis, parce que forcément, c'est comment nous dire, entouré des lots. Et au final, on est toujours seul quand on est dans difficulté. Donc souvent, nous retrouvons juste là quand on a nous bien dit quelque chose. Mais le fait qu'il peine à sa transport là facilite nos bas de trajet. Donc, il rend. Les choses un peu plus compliquées pour nous. Tout ça, ça doit venir. Mais je pense à la base, il y a plein de petits trucs qu'on peut faire déjà qui pour améliorer beaucoup la qualité de la santé. Moi, pour vous connaître un peu au niveau de la culture, au niveau de la recherche, je veux dire la recherche bien avancée, la recherche pas trop avancée aussi. Hein. Donc, si le vais de tendance mondiale, côté consommation, recherche des retours derrière. Parce que nous voyons du mal, vieux système qui va nous parler de CPA. Aujourd'hui, tout le monde me dit vous êtes fertilisant l'envoi, c'est lui, premier. Maintenant, me dit vous voulez manger sain, et dire vous voulez manger qui est plus proche de la chorale. Aujourd'hui, qui me dit vous côté de l'hôpital, avec des disques, avec des disques, de manger. Nous me retournons vers le naturel. Donc, où ça, quand tu es resté à ça, nous pas besoin d'avoir la technologie, nous n'avons pas besoin d'équipement avancé, nous avons besoin de plus de connaissances, de méthodes, mais en parlant de méthodes qui besoin, nous allons produire un certain volume, mais tout en restant dans le domaine naturel, dans le domaine le plus le moins intrant possible. Mais par contre ici, c'est un apport qui, de l'autre côté, au niveau de la culture, nous avons besoin d'investir dans la l'appareil technologique. Par exemple, une affaire d'afteuse, et il demande dans l'équipement de points. Par exemple, nous avons assez facile pour faire test ELISA, nous avons fait test ELISA pour l'affaire d'afteuse, pas fini. Tu dis, vous me dites, tiens, sans parler de quel hôpital. Aujourd'hui, nous avons tiens, sans examen aussi pareil, un bilan de santé, bilan sanguin, de nouveau à l'eau, parce qu'il y a beaucoup de pratiques malheureusement, que nous ne pensons pas parler de nous. Il finit d'arriver et il circule en disant et nous visons un technicien sur le point, on a parlé du point, et nous visons un technicien qui est formé pour ce service qu'on a parlé là, pour nous capables de réussir sur une population d'animaux. Pas plus tard que ce mois-ci, nous avons écrit 5 nouveaux personnels, laboratoire, le nombre de technologies et programmes technologiques, avec 2-3 agriculteurs de la technicien, parce qu'il est nécessaire aujourd'hui. Nous aidons ma test de base qui est important pour sauver une population. Donc, l'idée dans les deux sens qu'on veut dire par la culture. Mais, il est important aussi de dire que pour le développement du relais, nous avons besoin de commencer petit. Maintenant, un laboratoire de l'eau. Maintenant, on fait un espace pour 3 laboratoires. Il y en a un pour vétérinaire, il y en a un pour faire une affaire pour penser à foot, football. Pour test avec un coup de la terre et autres. Mais c'est bon pour le moment, il y en a un qui fonctionnait à 100%, c'est-à-dire pour les vétérinaires, pour la santé animale, mais il y en a un pour le full test qui est opérationnel à 50%, et il y en a un tout seul qui est posté à 10% opérationnel. Parce que tout cela va demander du temps. Ce qui nous peut faire, là, nous mettons l'équipement, là, nous peut mettre dans l'autre, parce qu'il peut renforcer tout le temps de test. Ça veut dire l'investissement est plus important. Mais l'innovation, on peut dire, divine du grassroot. Ça veut dire, ça plante, ça éleveur. L'île est bien commencée. Et moi, je trouve une méthode pour être capable de diminuer. Par exemple, au lieu de servir l'électricité pour aller à soi, pour être capable de servir le solaire. On avait été capable de diminuer son coût de production et aussi diminuer l'utilisation énergétique. Donc, il disait, il commence depuis la base et les besoins qui. Tout du monde aussi, et notamment sur laquelle qui, sa innovation de base là, est possible dans toute la classe, dans toute la famille.
We're going to have a small group, for example, for education, in terms of innovation, it's pretty simple. We're going to have a change of mindset. Because if we think in terms of research, everything is going to be research in everything we're doing. The question is, c'est juste adopter dans la méthodologie là, est-ce que c'est qu'on peut faire l'épidémiologie? Disons, n'importe qui a fait dans l'éducation, on peut être dans du peu, par exemple. Qui ont pu en garder et est-ce que les garder ça? C'est, la question c'est un petit peu ça. Et à partir de là, nous innover, comme trouve, sur quel jour on marche, et qui va aller faire ça, marche mieux. Mais quand on va venir parler des autres, parce que le social est grand, l'éducation, l'action research, nous devons tester toutes les 20 affaires, nous mettons avant, nous mettons après. Mais disons par exemple, un affectement, je prends une Nancy, qui ça me trouve peut-être un petit peu plus complexe, de voir comment dire, le guide premier, c'est même qui vous venez, d'un seul coup, c'est facile de résoudre le problème de TH prime Nancy. Mais il y a un affectement qui peut-être investit pour demander un petit peu plus de temps, et vous pensez peut-être en termes de ressources humaines, ou bien peut-être en termes de comment s'approcher digital, qui nous trouve très intéressant, mais qui, disons, c'est pas des relations qui peut-être vous coûtent un petit peu plus. Tout comme le projet de coopérative aussi, c'est pas des affaires qui de fond qui disent regardez, c'est applicable, peut-être pas cher du tout, comment on est capable d'être affaires qui de nous engageant. Et donc, il y a des affaires qui, tant qu'il ne pas commencé, pas qu'on s'explore, on ne va pas trop connaître qu'est-ce que ça va donner. Mais il y a certaines affaires qui vraiment nous changent de mindset, nous adopter cette attitude de est-ce que ça marche, qui va nous marcher, comment améliorer là. Ça, c'est déjà une façon qui nous change des choses, qui nous innove dans ce secteur. Déjà, il y a la liste de grands projets. Il y a un projet qui nous appelle l'Islam Project Studio. Mais je la remercie à ceux parce que ce projet-là émane de discussions que les autres ont fait. Et nous, au niveau marocain, nous pouvons faire mieux, capables de trouver le support financier. Et en même temps, un partenaire qui est capable de financer ça dans le projet. Et là, nous avons une analyse prioritaire. Et la bande d'affaires qui est capable de démarrer déjà. Alors, ça, l'analyse prioritaire, là, il est important qu'ils vont aussi gagner un petit peu le rapport qui est démarré déjà. Et qu'ils nous partagent avec eux. Et en même temps, il y a une partenaire qui finance un projet, pour voir prochainement dans cette communauté, comment on est capable de gagner. Alors, on va rassurer ceux qui, tout ce qui vient de discuter, tout un projet qui finalement nous prend ça en compte et nous pour assurer qu'il y a une analyse prioritaire des projets. Peut-être si nous ne pas faire tout de suite, nous pouvons développer après. D'accord, merci. Peut-être maintenant, pour, comme si problème de plan, sinon, on a une question depuis l'audience qui se donne une rebondir par rapport à ce que la question est discutée. C'est peut-être l'occasion aussi pour qui se voice out, se pose pas de questions parce qu'ils ont envie qu'il y a un processus comme si d'écrire un rapport pour qu'on est là, l'hypothèse pathologie et qui vraiment y réfléchir l'idée de les stakeholders. Donc, c'est une bonne question ou bien une bonne question comme si pour un point d'éclaircissement par rapport à quel environnement comme si pour permettre l'innovation à rentrer. C'est une excellente question. Alors, depuis hier, nous avons trouvé, dans le monde, nous avons trouvé que la sécurité alimentaire est une des priorités, qui pour Maurice, qui pour Rodrigue, qui pour n'importe quel pays du monde. Et nous connaissons que depuis hier, même comme ça, la guerre Ukraine, personne ne connaît quand il finit, il n'est pas capable de finir aussi. Maintenant, la question est, dans nous là, nous voulons que ça n'ait pas la réduire, qui nous capable de mettre en place tout de suite là, dans l'immédiat, soit côté recherche, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, comme si pour démarrer quelque chose pour nous, la réduction à Rodrigue, il y a une cause qui a faim, il y a une cause qui nous capable. C'est ma première fois dans le bateau sur Maurice, par ici, à cause de la guerre. Des ans 1945, nous rappelons qui c'est dans le bateau japonais, Timine Rodrigue, etc. C'est demain après demain, puis dans le bateau capable d'arriver Rodrigue. Comment est-ce que la recherche qui est sous présent le comité est capable d'assurer qui nous capables de faire une fruit à pain ou bien nous commençons à démarrer quelque chose, c'est pas qui ferait, nous ne pas connaître ça. Comment nous assurer que Rodrigue nous va mourir la fin, Aïda? Merci pour la question. Enfin, permettez-moi de répondre en partie. Peut-être notre collègue Jérôme pour complémenter ce que vous dire. C'est
qui me pressait répondre, c'est qui nous peut faire au niveau de la commission. Et nos policiers, pas purement recherche. Bon, et nous conscients de tous ces enjeux, hein, parce que nous opérons dans un contexte mondial contenant plusieurs plans de fond. Un premier plan de fond, ce qui nous fait dire, c'est la question géopolitique, la guerre en XYZ, on va pousser. Pas non. Et ça, certainement, il coopère dans un impact très négatif sur la question de sécurité alimentaire, et pas seulement sécurité, accès à l'alimentation. Et deuxième plan de fond, ce qui nous dans nos analyses, nous trouvons, c'est qu'il y a toute la question du changement climatique. Changement climatique, qui dérange un petit peu le cycle, la plantation, dérange beaucoup. Et ta question, nos régimes, pluviométrie, le milieu, nous la terre, etc. Hein, il y a beaucoup d'effets. Alors, qu'est-ce qui nous prévoit en termes de ces deux plans de fond, qui finit même une incidence très néfaste pour l'agriculture et aussi le secteur-là, parce que là, on propice à l'agriculture. On nous compte que dans les années 70, avant la grande sécheresse, nous tenions 2000 hectares de terrain qui étaient cultivés à Rodrigue. Et c'est pourquoi, à l'époque, Rodrigue était connu comme grenier de limousine, n'est-ce pas, Jérôme? Oui. Et puis par la suite, nous avons la grande sécheresse et ça finit de continuer avec la destruction au niveau de la période pluviométrique. Parallèlement, ça finit d'entraîner un déclin dans le secteur agricole. Beaucoup de monde quitte le secteur agriculture, plantation, élevage. Et finit une dégradation, une baisse drastique dans le taux qui nous cultivait dans nos produits agricoles par année, ce qui fait qu'à ce jour, nous avons à peu près juste de 2000 hectares dans les années 70, nous n'avons que 154 hectares de terrain qui sous cultivation. Alors, conséquence très significative. Alors, nous, la commission, l'objectif à court terme. On a un rapport qui est en préparation par les experts à Maurice pour moyen et long terme, mais pour à court terme, nous avons envie au moins doubler la production agricole. Et pour nous doubler la production agricole, logiquement, nous sommes capables de 154 hectares de terrain qui sous cultivation, nous devons avoir au moins 300, 400, sinon 500. All right? Alors, c'est ça un petit peu nous l'approche, mais parallèlement, nous pouvons être capables, doucement, c'est ce qu'il peut faire, récupérer ça dans le terrain qu'il a abandonné. C'est pourquoi aujourd'hui, la politique de la Commission donne dans le permis agricole, nous réactive, mais en même temps, nous vigilants. Parce que ne pas vous donner un permis agricole par complaisance. Donner un permis agricole quand nous sommes sûrs qu'il n'y a personne qui a un projet sérieux, un travail qui gagne sur la vie, en même temps, il aide dans l'objectif pour produire, doubler la production d'ici deux ans. En même temps, c'est ce qu'on peut faire, on peut revoir le service agricole, nous décentralise le service extension, là, nous privatise services, mécanisation, etc., etc. Mais ce qui est plus important, dans le contexte changement climatique, nous ne sommes pas capables de gagner la pluie rare, mais quand la pluie tombe, tout est galopé dans la mer. C'est pourquoi il y a un programme de captage de pluie à travers la structure de rainwater harvesting. Puis nous commençons à nous continuer, nous amplifier. C'est pourquoi nous gagner le service consultant expert de la Réunion, qui fait déjà mis la route dans l'espace de 3-4 mois, à 3 reprises infinies. Il y a un rapport qui peut produire, il y a une recommandation qui peut
faire pour assurer qu'il y ait même suffisamment en stock de l'eau pour l'agriculture à Rodri, en parallèle avec ce qui l'Assemblée régionale peut faire concernant le développement secteur de l'eau pour toute la population. Alors, pour répondre à une question un peu plus précise, qu'est-ce qu'on fait tout de suite là? C'est pourquoi qu'il m'a permis de prendre un petit peu de temps pour dire tout ça là, pour dire qui, dans nos systèmes de production, pour la sécurité alimentaire, en même temps, le développement économique de Rodri, nous avons un qui cache-croc qui nous fait tarder. Hein? Peut-être que je suis félicité pour vous. Non, soyons, nous avons limon, nous avons haricot, mais aussi nous avons ciblé manioc. Là, nous avons un fruit à pain qui est très bon candidat, parce qu'il s'est produit de la bonne farine. Il n'a pas fait tout de aussi qui m'a. Pardon, aussi qui manioc, vous pensez, si nous captons ça, ça va pour là, vous venez une priorité pour nous au niveau de la corruption. Et c'est dans deux candidats comme ça qui nous disaient ainsi de patate ou papa. Patate. J'avais une espèce qui nous parle dans le monde. On a réinventé. Donc, si déjà là, déjà réussi dans nos milieux, nous disions organiser nos bonnes ressources pour faciliter notre production, transformer d'abord pour le besoin de la population, pour le besoin de la sécurité. Ça nous rassure. Ça nous rassure les peuples. Peut-être pour ajouter à ce que M. Général veut dire, je voudrais qu'il y ait un effort de tout le monde, hein, de tout un chacun, pour avoir, faire face à la situation pareille. Hein. Mais au niveau technique, ce qu'il nous fait, par exemple, le maïs de Rodri, nous fait vraiment un lit avec le soutien de recherche de la Nassarabaye, nous fait un maïs qui est productif et qui tolère la sécheresse. Ça veut dire que ça va être tout le produit maintenant. Même dans le pays de sécheresse, vous avez une récolte avec nous. Peut-être pas pareil dans le pays de prix, mais c'est un maïs qui est tolérant à la sécheresse et à la chaleur. Et pareil aussi, le film déjà commence en Afrique importante, ça s'appelle caractérise le produit. Qui veut dire qu'on déconnecte qui était. Quand on dit maïs rodé, quand on dit piment rodé, quand on dit limon rodé, c'est quoi? Une déjà finit avec collaboration du CIRAD de la région, le film faire un code génétique pour. De l'apiculture, ça veut dire la reine, les abeilles de Rodri, l'abeille, le fruit connaît qui ce corps de sécurité. Pour le miel même, d'une traîne du bon de fruit, il faut un petit peu comment se connaître à Saint-Louis, où il amène un individu et tout le cas, il y a là, il ne rendit pas les paroles. Ça veut dire pas un individu qui est assisté du miel, le capable de rendir et un individu formé pour dire si c'est vrai qu'il est rendu ou c'est pas dit. Nous faisons pareil pour le piment, nous faisons son corps génétique, nous faisons un petit piment rodé. Et là, nous faisons pour manioc, nous faisons le corps génétique du manioc. Nous faisons pour haricot, nous faisons son corps génétique, là nous parlons pour, d'ailleurs, nous faisons la liste de 10 produits comme ça, nous parlons pour son noir, nous parlons aussi pour le poule local, tout ça là. Qui fait ça important? Parce que pour les mots, nous faisons faire, et nous pouvons mettre nos limons, quand nous sommes intéressés, par le volume de limon, mais nous n'avons pas de volet. Et nous disons que nous avons fait un branché, nous avons le volume de limon, nous avons pas tenté. Donc, ça vient pour nous. D'ailleurs, hier, on va s'appeler un petit dire, elle est là-bas qui est très importante. Moi, je me disais, mais quand on fait la reste de là-bas, c'est là que nous avons rassemblé à peu arrêté. Et là, mon corps dernièrement est passé, l'intellectuel, comme le rail, qui fait le temps de cause, qui pose des indications sur le protéger, c'est ça qui nous fait voyager. Nous devons protéger nos produits. Avant que nous puissions sortir avec nos produits, nous devons finir de protéger. Parce qu'il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de colère de gêne, parce qu'il y a beaucoup de bonnes affaires, très trésors que nous avons continué à nous parler. À mes yeux, nous devons fouiller beaucoup de trésors. Donc, nous devons faire tout pour qu'il soit un trésor là, pas qu'il tourne là. Nous devons gagner, parler à ce trésor là, parler à des autres. Donc, ça, pas une démarche que je faire. Et en même temps, un autre secteur que nous développons, côté protection. Nous pouvons, au niveau de la repos, nous pouvons mettre un officier pour protéger l'entrée, parce que nous avons beaucoup moins d'activité à rentrer dans les autres. Donc, tout cela, nous pouvons dire protéger nos pays. Par exemple, chez Bafté, nous gagnons une fois, par un niveau d'une minute, nous regagnons déjà pas, quand on reconnaît aussi un peu de
ben, tout ça là, nous protège nos patrimoines pour qui nous capables de développer. Troisièmement aussi, ce qui est important, c'est que maintenant, la formation qui a commencé avec le lycée agricole, maintenant, la formation qui a commencé, et bien sûr, nous continuer pour les producteurs maintenant, avant de faire un système pour les jeunes, mais aussi pour les producteurs qui ont déjà de l'humain, veulent bientôt prendre une formation, et tout ça là, nous pour aider pour redynamiser le secteur. Mais là-dedans, c'est bien important, là-dedans, c'est qui les fonds. Je vous dis là, on peut avoir sécurité alimentaire, plus gros souci qui va le pays, mais il peut gagner ses manches pour prendre. Donc, une bonne décision au niveau politique maintenant, le grand savoir de plus ancien que le gouvernement là, pour remettre ça sur le budget de semences. Parce que le budget de semences, c'est une affaire. Il est assez complexe et aussi demande un investissement. Donc, pour le moment, c'est seulement le gouvernement qui va avoir aussi pour ça. Donc, le gouvernement, pour remettre 7 à 8 blocs de communautés en parallèle, nous pourrions mettre sur plusieurs semences pour assurer qu'il y a une intensité de semences adéquates dans nos zones. Et, comme M. Général vient de dire, les règles du système de la terre, pour que j'aie de la terre, ben, nous utilisons la terre pour travailler, mais on ne peut pas l'utiliser par la terre, pour mettre un point, pour mettre des spéculations pour vendre ou soit pour passer. Une autre héritier, il y a la terre, vous nous demandez pour planter, après, vous pouvez nous arriver, flora, vous pouvez nous regarder, vous pouvez j'en valorise de matière. Vous pensez que c'est le meilleur outil qui maintenant contre la crise alimentaire, c'est valoriser la matière que nous bénéficions. Merci. Donc, juste pour vous dire, très bien, bon, hein? Donc, ce qui est important peut-être pour nos commissions, parce que c'est aussi une question de mindset, comment c'est pour nous là, je ne crois pas au courant beaucoup dans les entreprises qui étaient là, et il y a autant qui comme si développer une stratégie de communication, ça aussi peut-être une poste d'innovation qui, dans l'institution, se fait si communique, qui se fait créer, comme si ça assure plus de transparence aussi, et ça a comme si plus une relation de confiance entre comme si la population et dans l'institution, parce que ça va venir dès que ce pays proposé là, ce n'est pas même un workshop qu'on ne va pas au courant. Ben oui, on ne peut pas qui se pensait, mais nous n'avons pas au courant qu'il y a énormément de temps, ça fait un peu plus. Donc, nous pensons qu'il y a important qui dissémine comme si dans une action qui est déjà fait entre le monde. Peut-être que ça, c'est déjà une première étape par rapport à tout ce qui est l'innovation, qui est une bonne ligne de communication par rapport à la commission et à la population. Donc, ça, c'est une chose. Le deuxième facteur, c'est qu'il existe pour rejoindre. Et là, ça fait qui me pense qui est très important aussi, c'est l'accessibilité. Donc, il y a des gens qui sont disponibles, mais je pense qu'il pourrait, pour résoudre les questions qui sont appelées dans les médias, je pense qu'au niveau cadastre, au niveau de toute façon qui donne bail, même bail agricole, comme je disais, nous sommes dans une crise là, si nous allons avec le même système que déployons beaucoup de bureaucratie, administratif, nous dire qu'il nous va sur les tableaux, des fois c'est juste nous accélérer dans le processus administratif. Donc, je pense que ça aussi est important, qui, c'est un travail qui est très simple, mais qui est capable d'avoir l'impact très conséquent dans le court et le moyen terme. Et puis, je vais vous laisser les autres questions. Justement, oui. C'est qu'il y a une affaire qui peut être envie le docteur Van Gogh par rapport à tout ce qui est traditional medicine. Parce que ça nous veut dire au pied dans trois groupes. Les dans le groupe, oui. Est-ce qu'il y a une possibilité aussi de collaboration éventuellement, parce que c'est juste le gouvernement qui fait les peuples pour produire des semences. Mais par exemple, on pense que c'est un immense terrain qui régulièrement, les retournent en friche dans une école, pas comme l'école, mais que de faire toute la question de l'entreprise sociale, ça veut dire que de collaborer entre commission éducative, commission de la culture et par exemple la PTA, les choses de 20 familles qui viennent se défavoriser, que de faire le travail de production de semences par exemple, et de gagner un revenu à partir de ça, il y a une démonstration pour les enfants. Donc c'est... Pour répondre à ça, on va avoir une réponse directe parce que ça n'est une question qui relève de la du politique, hein, on va avoir compromis de politique. Mais moi aussi, moi, je trouve ça intéressant
Bon, ma vie, ta ferme, la paroisse, ça ferme un grand terrain, tout en qualité, ça va un peu boire, tout dit non. Il y a même, dans le terrain, il y a beaucoup, on dit, père et crené, mais coûte seulement qui qualité, ça va faire le projet pour capable de bénéficier de manger en même temps l'agriculture. Et il y a légèrement oui. Et certainement, si nous avons une proposition de ce genre, nous pensons pour créer une synergie avec ce qui nous permet envie à tel niveau de la commission, nous pensons qu'il y a une grande chance de passer. Hein, nous pas pour compromettre hein, un policier, mais nous pensons que c'est un projet très intéressant parce que, comme mon collègue il dit tout à l'heure, là, toute la question de semences, nous ne connaissons pas si on peut rendre compte. Imaginez, juste imaginez. Nous n'avons pas gagné de semences depuis d'ailleurs pour nous planter. Donc, on a qu'il n'est pas que ça prenant. Simplement, nous n'avons pas à manger. Nous pouvons les faire. Est-ce qu'il est capable de permettre nous ce qui nous est comme asset, nous avons plus d'agriculture qui va être exploitée au maximum pour l'instant par les sociétés coopératives. Est-ce qu'il nous est capable de faire ça, Mme Goncourt, c'est pas pour critiquer. Est-ce qu'il est capable de permettre nous à cette qui sous-utilisait, mettre à risque nos souverainetés alimentaires? C'est ça la clé. La disponibilité dans les semences pour la production agricole. Si nous ne pouvons pas réussir à sécuriser ça, avec tout le monde. Hein? Voilà. Merci. Peut-être que tu peux dire une affaire qui est assez simple, peut-être un peu banale aussi. Ou cause, comme cause agriculture, cause plantation, tu veux dire, mais pendant la pluie, pendant le bois aussi. Mais si vous guettez, hein, combien de bâtiments il y a dans l'ordre, combien de sacs, combien d'endroits qui perdent, que ce soit dans les bâtiments de gouvernement, que ce soit dans les écoles, qu'on est comme surface, mais pour la capitale, ça fait. Hein. Et c'est pas ce que je disais, c'est un loi avec 50% de sacs d'école, il est comme des loups ramassés. Peut-être plus. C'est que nous avons besoin là-haut, ben, je suis un peu si tu vas aller, mais au moins l'eau, tu peux sécuriser l'eau avec un stockage de l'eau qui nous permet de faire cette activité. Oh, merci. Je vous remercie à des soirs et puis bienvenue pour terminer aussi avant de demander une question par rapport à tout ce qui est médecine traditionnelle, parce que ça devient répétitif. Donc, si comme si qu'il y a une action qui, parce qu'il nous connaît qui a une population, il y a beaucoup de projets. Mais une population qui est malade, il n'y a pas capable, comme si il y a des projets à la santé, il y a un facteur qui est essentiel pour permettre le développement des besoins de recherche et développement. Donc, la médecine traditionnelle, c'est une ressource qui est déjà là, qui est déjà accessible, qui est là, mais ne pas exploiter suffisamment. D'après vous, dans l'immédiat, qui va une action concrète à prendre justement pour qu'il permette la population d'avoir un plus grand accès à tout ce qui est la médecine traditionnelle. Voici, peut-être nos parents, et peut-être nos parents se connaissent, la nouvelle génération ne se pas nécessairement connaître c'est quoi la médecine traditionnelle, ou bien quel plante, comme ce qui boit, pour tel mot, etc., etc. Donc, comment, où que vous pensez, comme si par une innovation, par un projet qui est comme si très simple, qui est capable d'implémenter dans l'immédiat et qui est capable d'avoir un impact considérable par rapport à tout ce qui est la santé. Donc, moi, personnellement, je pense que pour commencer, peut-être que les jeunes ne pas même connaître qui plante, qui est médicinal, il y en a. Et pour nous, comme malades, principalement, c'est nouvel hôpital. Donc, c'est beaucoup plus des recettes de grand-mère qui. Les grandes personnes qui est là, ça va nous être là. Et je pense qu'il déjà pour commencer, s'il doit arriver, collecter. Donc, tout ça va nous l'information, différentes plantes, pour qu'ils affaires. Moi, pas pour dire en termes de scientifique, mais déjà, ben, grand monde, pour qu'ils affaires ce type de service, dans qui objectif, dans qui but, culturellement. Hein, donc, comment ce type de service,
Donc peut-être si nous bien dans la liste là, il est capable de nous axer pour capable faire une étude plus avancée, l'on ça pour connaître ben, effectivement est-ce que ça va être plante là, c'est vraiment un tel effet ou pas tel effet, ou déjà après guetter si nous prenons traditionnellement les grandes personnes ne pas mesurer non ils prennent tant deux tant tant fois par jour, c'est pas comme ça. Donc je prends lui, d'après ce qu'ils ont pensé, ils ont estimé, is the right thing. Donc dans ce cas-là, je pense que nous, on peut commencer à travers un plan qui se va de médecine, un plan qui nous servit, voir ce qu'on a fait, éventuellement, après, scientifiquement, nous guettons sur l'effet de bien-être et quels sont les dosages, le requirement, pour servir ce plan-là. Ah bon, ici encore. Merci. Peut-être une question. S'il vous plaît, madame, tu rajoutes, on sait que vous allez dire. Maintenant, un livre qui produit un livre qui s'appelle Les plans médicinaux de Rodrigue, on va venir ici, si madame, on commence à être, mais dans ce livre-là, il dit que beaucoup le plan médicinaux de Rodrigue, c'est un travail de base qui a commencé, qui a besoin de continuer, qui a besoin de réactualiser et qui a besoin de continuer de faire. Le problème, c'est qu'il nous gagne beaucoup de médecins amis locaux et galés. Donc, beaucoup de secrets, beaucoup de tisanes galés. Donc, on va voir si c'est un affaire qui est assez rapide, si ça va nous faire dans un mois là, parce qu'il nous peut être beaucoup de savoir-faire. Si vous pouvez ajouter une petite affaire sur ça, il est bon nous connaître. Base de données, comme Madame Tengdier ou Tengdier, au niveau de la plante médicinale. Si nous avons envie qu'il s'avine un secteur efficace, commercial, valable, nous pouvons s'abandonner là, mais nous pouvons la recherche derrière pour capable confirmer tout ce que ma grand-mère, grand-père peut utiliser. Parce que maintenant, si vous prenez ça directement dans un entreprise commerciale, il n'y a pas pour vendre. Ou pas pour exporter. Ou pas pour vendre un produit de haut. Donc, à Maurice, comment on va faire? Nous allons donner là, nous allons donner connaissance là. Mais il n'y a pas la recherche. Et à partir de la recherche de la même entreprise qui est venue, il s'est mis à donner de la recherche là. Il développe ce produit là en une entité commerciale. Et actuellement, à Maurice, dans une pharmacie, dans un supermarché, où tu beaucoup, ça va être produit là, tu es vendu, et vous trouvez derrière qu'il y a une littérature scientifique qui prouvait qu'il y a un antidiabétique, des affaires, mais prouvé scientifiquement. Donc, nous avons une rigueur, sa base qui nous peut nous designer un pharmacopoeia Rodriguez qui nous est là, nous avons développé. Avec la recherche, donc c'est pourquoi l'institut de recherche, thématique de recherche côté médecine traditionnelle bien important, molécules actives pour la production de nutraceutiques qui viennent dans le médicinal ou dans les autres là, bien important pour nous capables d'aller de l'avant pour elle, commercialiser, faire une gélule, faire une teinture, faire un extrait de plantes et venir dans une jolie petite bouteille, mettez Rodrigue ou bien effet terroir ou whatever, et là, nous donne pas l'air. C'est ça qui est un autre secteur, un pilier économique qui nous a développé. Parce que mon fils, pour connaître, Rodrigue, pour connaître, beaucoup ça va nous en moi, mon travail, beaucoup ça va nous en faire. Donc, il y a un meilleur secteur pour ça. Et l'expert. Merci. Et monsieur Mathieu. Oui, monsieur Mathieu, pour vous dire. Retourne le thème de la recherche. Et donc, et suite à ce que vous dites, je disais par rapport à le retour de rapport, et aussi ce qui est peut-être obligé de dire par rapport à la demande de financement pour faire la recherche, et ce que M. Hermann-Axil dit par rapport à le fait qu'il n'y a pas besoin d'un institut pour faire la recherche. Donc, depuis 14 ans, je travaille dans le domaine de la conservation, que ce soit marine ou terrestre, je suis en fabrique et la wildlife, et la différence est déjà entre la recherche appliquée et la recherche pure. Donc,
autant nous essayons encourage par une recherche tout le temps appliquée, et moi-même on rejette beaucoup d'applications dans les étudiants qui sont purs, parce que nous prenons les temps pour ce qui est des recherches, malheureusement. Et malgré ça, nous réussissons à accomplir beaucoup de choses à travers ça, une collaboration, hein, que ce soit avec des étudiants ou des chercheurs qui aident vers policy making, par exemple avec la PME de la pêche à l'Obrit, et le financement avec la MRC pour faire la recherche dessus. Ça va l'information même utilisée pour faire, pour établir la fermeture de la pêche. Et on a aussi Conservation Strategy qui est développée à travers les recherches qu'on fait, les scientifiques externes, par exemple, les criquets, un petit insecte endémique de l'île, qui permet de nous reconnaître les différentes méthodes de conservation qui encourage l'augmentation de la population de ces insectes-là. Il y a aussi une formation qui nous gagne à travers ces recherches-là, que ce soit direct, l'Institut Vini et forme nous, nous avons le personnel, ou indirectement, quand les chercheurs Vini, ils partagent la méthodologie avec nous. Donc, effectivement, ça coûte de l'argent pour faire de la recherche. Et alors là, il nous a atteint 25 ans pour nous recevoir un scientifique officiel. Finalement, lui gagne. Mais ce qui me tient content, c'est vrai qu'il faisait un contrôle là, mais en même temps, il ne fallait pas stifle avec un peu trop de réglementation. Parce que ça donnera pour là, peut-être qu'il ne retourne pas complètement vers le haut, mais nous, non, à la Wildlife, ou chose Rodrigue, et nous pensons d'autres ONG aussi, beaucoup de rapports, beaucoup d'informations qui sont dans le repository, qui sont capables, à n'importe quel moment, de puisse dans une bibliothèque, chose dans une bibliothèque, et puis à la bibliothèque à moment naturel, qui vous pensez énormément, beaucoup d'informations qu'il y a là-bas, et un peu pas là-bas aussi. Donc, moi, tout à fait d'accord avec ce qui Marie-Athène disait par rapport à peut-être une colonne de la recherche, en tout cas, on vient ensemble avec une bonne recherche pour partager une connaissance qui nous a accumulé pendant des années et définitivement une centralisation de sa bonne information, hein, que ce soit dans une bibliothèque ou d'autres endroits. Merci, Madame Montantine. Oui, c'est ça. Donc, vous pouvez rejoindre pour participer, faire télépartie de votre réponse juste pour cette affaire de recherche. Parce qu'il y a beaucoup l'eau, l'agriculture, et la santé, etc. Mais on parle trop tard dans le panel par rapport à Social and Grassroots Innovation. Ce matin, nous causons sur le centre communautaire et hier aussi, qui vit, nous parlons d'aucune étude pour déterminer le pourcentage d'occupation de ces centres-là, comme activité de loisirs, ça et là. Mais c'est une infrastructure qui est là, dans au moins 100 villages pour nous, un centre communautaire, un bâtiment qui est déjà vu. Alors, par rapport à tout ce qui est médicinal, médecine traditionnelle, etc., nous sommes capables d'innover dans la recherche aussi. Au lieu d'avoir un modèle traditionnel d'envoyer un research assistant pour faire ça, médecinement, qui ne peut pas faire un laboratoire dans un village, plusieurs villages, projet pilote, hein, pour voir, par exemple, l'ordre médicinal qui fait ça, mon transmet ça, donc, qui fait, qui dose, whatever it is. Et en même temps, et non un aspect social, parce qu'il n'y a pas quelque chose pour faire. Bon, moi, je trouvais dans nos villages, comme une rencontre, comment la transmission de savoir et aussi transmission de mémoire, il fait un simple émettre beaucoup de la campagne. Alors, nous sommes capables de faire ça dans une base plus carrée, structurée, pour faire d'une pierre plusieurs coups, à identifier qui va nous différencier. Quelque chose qui peut être, par exemple, même la littérature ou l'italie, plutôt dans l'école, est-ce qu'il ne peut pas faire ça au niveau village, plutôt qu'il nous focalise dans l'école que nous n'avons pas fait marcher. Alors, c'est qu'il fait. Le café, c'est pas du tout au niveau communautaire. Merci, Mme Montanti. Je vais remercier le docteur pour le discours, Montanti, par rapport à ça. Par rapport à quelle affaire, parce qu'on fait plus. C'est une suggestion, hein, parce que c'est une bonne suggestion, et qu'il rejoigne les deux, quelque part la recherche, il n'est pas besoin de grand-chose, c'est vraiment ce mindset de moi reconnaître qu'est-ce, disons,
et Annick a beaucoup de questions. Et c'est une vraie question de recherche. Et le matin, c'est juste ça. C'est OK, me lance la question-là. Comment on va gagner mon réponse? C'est un peu pour tout le matin qui nous fait avorer. C'est juste une question de comment on peut faire ça. Est-ce que les peut marcher? Et comment on connaît ce qui peut marcher? C'est mon méthode, c'est mon approche qui veut, non? Et le souci là, c'est que par exemple, c'est que pour le vrai, il y a beaucoup de monde qui soignent dans les temps pour faire la recherche. Ça, c'est malheureux. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de recherches qu'il y a à faire, Audrey, mais le pénal, surtout le temps, le skill, c'est un pénal. Et elle me pose sa question de recherche de base, recherche appliquée. Je comprends exactement le mouvement, parce que vous connaissez tout le temps le pénal d'argent, donc il y a le côté pratique. Mais il y a une besoin de recherche de base ici, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous prennent, qui vont assumer qu'il est OK, qu'il est, et qu'il va mal, Audrey, qui n'est pas nécessairement vrai. Parce que votre sujet dans le social, dans le développement humain. Mais c'est beaucoup pas non qui est international, qui parle ici. Bon, peut-être les appliquer, mais on ne saura jamais si le pas à la CESLI. Et ça, c'est la recherche pure, ça. On connaît que ça a l'argent bien du temps pour bargainer, mais c'est la même qui est nécessaire à faire. Donc, c'est un petit peu votre, toute la question de recherche, c'est vraiment d'abord, c'est sa culture de recherche, après, peut-être développer d'abord dans nous-mêmes. C'est que si vous connaissez un appel, moi, je vous mets une approche pour ça. Moi, je voulais juste rajouter peut-être un petit peu de texte. Oui, ça veut dire, est-ce que c'est celui-là? Parce que souvent, il y a même plusieurs recherches qui font ça dans la santé du PN, côté l'éducation du PN, mais la même thématique. Mais est-ce qu'il y aura un celui-là que vous pouvez aussi éviter de dupliquer ça? Ou sinon, vêtement, l'année d'académie, avec ça, nous avons imaginé des vêtements bio-research qui peuvent être une rôle la santé animale, environnementale et la santé. Est-ce qu'il y aura un institut-là pour faire un travail d'ensemble pour involuer plusieurs secteurs? Même si je peux me dire, il y a un peu de pression de jouer tout ça. Certainement. Il y a un peu de recherche. Bien sûr, parce que pour améliorer la coordination entre tout ça, la commission, l'organisation, l'intimité de recherche, pour nous, il y a beaucoup de together, pour établir un programme de recherche, assurer qu'il n'y ait pas trop de paiement d'application et assurer qu'il y ait un programme de recherche pour répondre aux besoins du développement social et économique avant tout. Hein? Et c'est ça l'idée. Voilà, actuellement, nous payons vite. Vous voulez qu'ajouter une réaction à ce qu'il nous dit? Vous pensez peut-être pour food security, de responsabilité, pas seulement des autorités, mais pour chaque personne. Peut-être chez eux-mêmes, ils ont une vertical farming qui est capable de faire le recyclage de l'eau qui ne servait pour faire la culture déjà parce qu'il est plus mort de l'eau. Alors, pour faire ça, ça c'est une chose qui nous a fait comme nous. On va rassurer l'eau qui s'approduit pour gagner comme tout là, mais beaucoup plus beau. Parce que tu fais nous compter dans ce manque, il y a encore un bon goût. Parce qu'il est mieux par les médecins. Pareil pour y avoir. Alors, c'est une structure qui a commencé. Propagation, ben, là, pour repenser peut-être d'un blessé, c'est là ou bien deux jours ou l'autre, capable d'étirer ça, ce même, un certain temps, capable d'un bonne seconde qui fait la recherche, qui fait ce tout le monde. Alors, c'est un moyen simple qui est capable d'utiliser pour capable faire tout le monde pour prendre responsabilité. Peut-être food security, ben, je n'ai trop en conscience de ça, c'est-à-dire, parce qu'ils ne sont pas responsables de la cuisine, de la cuisine, mais seulement si on engage ceux, je tiens beaucoup d'énergie, aussi ils sont capables de faire. Et puis, vous pensez quelque chose par rapport à cette doctorante, c'est que justement, l'idée, il y a même un institut physique, un truc qui coordonne pour recherche, c'est que chaque semaine, il peut dans son perspective apporter. Par exemple, comme M. Félicité, pour l'agriculture, il peut causer ça dans son tête. Comment il fait, elle est là pour causer. Vous pensez qu'il nous fait le côté éducatif, qu'il nous fait le côté social. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin de coordonner, parce que tout le monde a fait différentes facettes. Et puis, me retourne sur ce que M. Gentil dit, ce que tu étais resté là, hein? La question que tu étais resté à moi, je réponds. La question, encore une fois, c'est une question de connaissance de Zodin, de comment nous enseignons la lecture. Qui, quelque part, elle dit qu'il comprend recherche, qu'il comprend enseignement de la lecture, il est capable de dire, vous pouvez assumer que ce petit groupe-là, il est
connaît qu'il y a des affaires, donc elles sont pas nécessairement accurées. Mais la personne, les personnes nous donnent sa connaissance de base en termes de travail. Disons, interprète les questions, pose les questions aussi. Parce que, disons, là, est-ce que l'enseignant de l'élection ne marche pas pour lui? Et la bande de nous qui connaît exactement pourquoi il n'est pas marché, parce que nous connaissons certaines personnes qui ferment. Et là, c'est la question de compétences qui fait justement les besoins cross-cutting, parce que chacun est venu avec ses compétences qui détermine le milieu ensemble. Le gars a la meilleure question, le gars a la meilleure solution aussi. Merci beaucoup, tout le monde. Ça veut dire au niveau de la santé, ça s'appelle éthique communiquée. Mais peut-être que vous êtes des gens qui peuvent utiliser cet approche-là pour le moment, c'est des projets, mais peut-être au niveau éthique communiquée. Parce que quand nous faisons recherche aussi, nous devons être éthique pour rechercher la vie, et voilà. Ça veut dire que nous avons ce qui nous a actuellement été politique qui ne peut pas faire, nous mettons ensemble pour le projet. Merci. Donc, vous pensez à la fin. On va remercier Jean-Pierre Loumani, Marc Chouanel, si on a quelque chose à ajouter. Bon, juste comme si, peut-être pour conclure, hein, par rapport à ce que nous faisons recherche, nous faisons beaucoup de pending. Vous pensez qu'il y a une recherche qui n'est pas nécessairement besoin de pending. Il est important qu'il nous. Parce que même sa recherche qui, madame, aujourd'hui, peut proposer, là, il va dépendre beaucoup de l'argent, c'est au niveau ANCSS, il y a des remplis, dans ce comité village, il va appeler. En fait, il va initier sans grand financement, pas nécessairement un grand financement. Donc, l'Ivo qui ne comprend pas aussi, qui parle de recherche qui nécessairement besoin comme si par des grands financements. Donc, sinon, là, me laisse comme si ça commence au panel, tu as juste un petit mot d'affaire et puis mon coupe un petit. Soit le chairman, soit le exécutif directeur, pour une chaîne pour ton texte. On commence par Gosselin, vers la droite. Bon, on pensait qu'on a été de très bons élèves, de très bons enfants, non hein? Et tout à l'heure, peut-être pas l'équipe MRA ici, la capable de dire non. Avec moi, on a un grand sentiment de joie et de satisfaction parce que. Dans nos démarches, processus pour développer progrès, hein, on pensait chaque citoyen avec nos frères et sœurs de Maurice, on pensait ça, cette affaire de recherche et innovation, comme on peut dire, dès le début, vise un rôle, on peut dire même, très essentiel, sinon very critical, parce que c'est ça qui catalyse hein, le processus du développement dans tous les secteurs, hein, comme ça. Aussi, malgré avec mon collègue là, avec le collègue du département d'Internet, nous avons donné un petit peu de moyens, malgré nous, c'est très chargé pour être là, de lumière, à qui nous intéressons ce sujet, excusez-moi pour ça, monsieur Lamina. Ah ben voilà, on va remercier l'initiative très louable, hein, à travers le chairman, le directeur et toute l'équipe, monsieur Madou. Et monsieur Lamina, il est un très bon ambassadeur. Il passe un peu partout, il market le sage, jusqu'à finalement il reste avec nous. Alors, merci beaucoup. Et je tiens à souhaiter qu'il y ait un très bon rapport, nous prenons tout le temps là, et qu'il y ait un rapport qui est réalisable, parce que nous avons, comme on dit dès le début, nous avons un objectif très à court terme, faire ce dernier, et qui soit capable d'aider nous pour mobiliser les ressources qu'il nous a, avec différents partenaires. Pour qu'ils soient capables d'atteindre l'objectif pour le besoin de toute la population de l'ordre. Hein, parce qu'il y a une population qui peut atteindre les services de nous, la communauté des pêcheurs, des agriculteurs, des éleveurs, tout ça c'est dans le monde qui vient vivre, qui vient envoyer les enfants à l'école, qui veut faire face à des difficultés, mais nous sommes capables de répondre aux autres besoins. Alors merci beaucoup à vous tous et merci pour votre collaboration et contribution, tous les participants. Pour moi, de ma part, donc, déjà merci à toute l'équipe de MRA ici qui prend l'initiative pour faire cette partie de programme-là qui déjà il fait à Maurice et je pense vous aussi pour mettre en place ici à Rodrigue. Donc éventuellement, on a appris pas mal de choses pendant cette réunion-là, déjà au niveau technical committee, à chaque session qui vous rencontrez, ben, nous développons pas mal de choses, nous apprenons pas mal de choses. Et en venant ici, éventuellement, il y a quelque chose qui vraiment nous pas pense à ça et que heureusement il y avait toute l'équipe qui était là qui nous fait ressortir certains points qui nous pas pensé pour mettre dans le rapport. Donc
me dire un grand merci à tout le monde pour votre participation et pour qui vous donne plusieurs options, chemins, visions, comment nous sommes capables d'évoluer, comment nous sommes capables d'aller dans la recherche et l'innovation à Rodrigue. Et ben, là, voilà, j'espère que le rapport sera complété. On attend les actions éventuellement pour mettre en place tout ça. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Les affaires que j'ai envie de dire, c'est que la recherche et l'innovation, ce finalité, ce n'est pas seulement la recherche et l'innovation. Ce finalité, c'est le développement d'un pays, le revenu sans encore. Donc, il y a l'aspect développement commercial, entrepreneur. Ce matin, nous visitons une petite entreprise, il y a une start-up, mais il y a un peu de difficulté pour capable finaliser sur un produit. Là, il est extrêmement important qu'il y ait une start-up. Beaucoup il y a, beaucoup il y a l'idée, beaucoup envie de faire start-up. Mais vous pensez, je vous ai être charpenté, je vous ai mentoré par un spécialiste, peut-être pas spécialiste pointu dans le secteur, plus ou moins capable d'aider pour qui ce voyage vers le produit commercial n'est pas bien long, long, jusqu'à se décourager de l'arrêter. Donc, sa notion d'incubateur, vous pensez qu'il est déjà dans la ligne directrice du gouvernement régional en anglais. L'IBISEM met en place, vous pensez, une structure qui pour accompagner ça va le start-up. Là. Parce qu'il y a beaucoup de courage. Beaucoup de courage au MISME, vous dire, aïe, on peut la financement, on peut la l'expertise pour capable de développer. Donc ça, c'est primordial si nous avons envie que la recherche et l'innovation aient une finalité positive pour Audrey. Donc c'est ça le message que j'ai envie de passer. Et aussi pour les assises, nous avons envie de faire quelque chose de structuré, moi je suis à Maurice. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour féliciter toute l'équipe dirigée par Dr Madou à Rodrigue, qui commence à travailler il y a quelques semaines de cela, pour amener notre rapport préliminaire qui nous discutait, qui nous étayait, qui nous détaillait encore plus avec ma suggestion sur place. Next step, c'est maintenant finaliser le rapport. Étant fini avec ce rapport, nous avons validé, nous prenons une validation workshop, vraisemblablement au mois d'août, en parallèle avec Maurice. Et après, nous prenons ça au niveau du ministère, au niveau du cabinet du ministre, pour implémentation. Et c'est là que nous pourrons de l'argent, qui va ce qu'il nous a tapé pour qu'on implémente au moins un projet ou des projets par filière, par thématique, pour qu'il vraiment nous dire qu'il nous permet une business, que ça, l'assise là, ce n'est pas seulement un exercice de consultation, mais il peut aussi un exercice d'implémentation. Donc, c'est ça que nous avons passé comme message. Mon passe de parole, Chairman aussi. Merci. Merci. Donc, moi, vraiment satisfait depuis hier, de toute façon, vous savez, avec plusieurs camarades qui là, une guerre d'occasion, mettre les esprits ensemble. Qui est un petit peu dans la même direction. Donc, on pense que c'est une initiative très, très forte. Donc, on remercie le maire aussi. Et la cuisinier dans l'invention Rodrigue, surtout, qui nous amène à concocter un bon menu. Et vous pensez que le résultat là, il est vraiment excellent. Et vous suivez ce qui, si je suis capable, tous les derniers, au moins une réunion. Peut-être plus bon qu'à faire, comme vous avez la signe sur l'année, mais un meeting, on a déjà un meeting pour la recherche et l'innovation, pour que nous ayons l'occasion non seulement de discuter, mais aussi présente dans la recherche que nous faisons, présente dans l'innovation que nous faisons, montrer dans le résultat qu'il gagnait, parce que vous pensez que ce sont des éléments forts pour encourager les autres communes à innover et faire recherche aussi. Hein. Vous pensez qu'il y a un bon premier exemple, et moi aussi, vous avez souhaité qu'il. Au niveau de la presse, surtout la MDC, qui relie tous les journaux et tout le même qui sont dans des émissions là, pour moi, ils capable un petit peu plus vers un thème pareil, pour dire que au moins la population aussi, tu as l'occasion de trouver qui
parce que c'est une certaine chose qui m'est passée dans le bien, beaucoup de choses qui m'est passée. Et on remercie les membres de la MRC, une fois chez moi, pour être présents dans l'équipe technique et aussi comme modérateur dans le panel. Et on est vraiment satisfait de ce début-là et on peut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait le panel. Merci. Moi aussi, je tenais à remercier l'équipe de la MRAC d'avoir choisi mon poète dans le comité technique et sur le panel parce que c'est une très bonne expérience et de changement parce que de partir, vous avez pas de ça devant mes collègues, mais un changement de ma routine quand même. Et vraiment, c'est vraiment bon d'être dans un environnement de recherche là. Et vous souhaitez qu'à la fin de ça, que vous preniez une réponse à, même pas toutes les réponses, mais certaines réponses à certaines questions qui réunissent souvent. Donc comme ça, les réinforcer un petit peu, pas tout le monde qui prend cette étape, qui passe, qui donne l'opinion, qui trouve quelque part. Voilà, vous posez la question de recherche et il n'y a pas de moyen pour répondre à votre question. Et parfois, il peut être pas aussi compliqué que le pensait. Donc ça aurait été bien qu'à la fin, disons, nous avons des grandes questions qui reviennent, qu'il y ait une réponse. Et quand même, mais c'est vrai que quelque part, que ça devienne quelque chose qui est institutionnalisé, que ce soit dans le budget de Rodrigue aussi, hein, que... Il y a une question de budget qui est allouée à rechercher des autres dans le budget de Rodrigue, ou bien qui est une facilité aussi pour que la recherche soit plus présente, plus acceptée aussi. Mais quand même, on la rencontre de ces deux jours-là, malheureusement, on a raté, hein, mais c'était vraiment. Vraiment. Revigorant. Merci. Pour j'accompagne le chairman pour faire ce commentaire. En termes de conclusion, et également un petit bilan de la séance et sur votre place. Bon, malheureusement, toute bonne chose a une fin. Bon, alors, on arrive à la fin de cette séance de deux jours-là. Vous pensez que c'était une séance qui. Beyond our expectation. Et là, on est capable de dire que l'objet du labo, de dire que MRIC, jamais tient dans l'intention, ni bien dans l'intention, ni impose quoi que ce soit. Nous, là, comme un partenaire, on est capable d'être dans ce développement, on est capable de développer un nouveau secteur et d'être dans ce projet de. Innovation de recherche. Alors, nous là, MRIC, le même bureau là, et tout ce qu'ils ont dit à nous, là, il y a le docteur Mandou qui nous a synthétisé tout ça, de nous mettre dans l'analyse prioritaire pour qu'ils nous capables de travailler. Et vous pensez que nous devons faire tous les efforts possibles pour nous capables d'arriver à implémenter un maximum de projets. Et rester rassuré que il n'y a pas un rapport qui peut rentrer dans le tiroir parce que même le rapport de Maurice nous peut attendre à ces rubriques pour qu'on finalise tout le rapport et nous pour bien sûr partager un rapport là avec eux. Ça, il peut dicter un petit peu la stratégie que la MRIC peut adopter en termes de. Financement, en termes de soutien, en termes d'engagement avec tous les partenaires. Alors, nous pouvons travailler là. Et là, nous remercier le RRA, l'autorité, et les commissaires qui étaient présents, les départements de l'aide qui nous donnaient un coup de main extraordinaire. Et vraiment, nous impressionné par la présence parce qu'ils savent démontrer que. Je tiens à cœur la recherche et l'innovation. Parce que, comment vous dire, nous payons d'autres choix à part faire la recherche et l'innovation. Alors, si nous envie avancer, si nous envie rester au-dessus de la compétition, nous oublions. Alors, merci à nos camarades Rodriguez, la MBCTV qui est là depuis mon arrivée, qui nous a donné un soutien extraordinaire. Cottenberg, et bien sûr l'équipe de MRIC, dirigée par le professeur Barwan, qui nous fait un travail extraordinaire pour organiser.
Docteur Mandou, qui est là, qui inspire votre guérison maintenant. Bien. Et qui me remercie. Et nous vous dire, nous tous applaudissons l'équipe de Amara Rodrigue. C'est vrai que la première fois qu'on a dans un bureau là, mais est-ce qu'il est rassuré que le mauvais débat, je ne suis pas resté dans sa condition. Hein, vous m'avez surpris de voir la recherche. Voilà. Mais merci à toute l'équipe de Marasi de Rodri qui nous fait un travail fantastique pour dans l'organisation. Toute l'équipe de Marasi de Maurice qui est venu. Alors, Kouchard, Sidi, Yogesh, Kiran, on parlera de personne. Et merci beaucoup parce que je travaille ce projet-là pendant pas mal de temps. Et aujourd'hui, le caractère qui vient réussir parce qu'il nous a, nous gagnons beaucoup d'inputs qu'il utilise, nous gagnons beaucoup d'interactions. Et nous faisons beaucoup penser que tout le monde qui nous vient, je t'y connais, qui vient être là et je contribuer pour faire de ça un succès. Alors, je remercie surtout encore une fois pour votre présence ici et pour votre collaboration. Et le rapport va être, dès que les prêts pourraient être partagés, mais consultation, je voudrais dire un assist, une consultation avec tous nos partenaires et que sa consultation-là est pour continuer. Alors, merci encore une fois pour votre présence.